C'est demain que la justice va rendre son verdict dans l'incendie de l'Opéra de Paris. 5 ans après ce tragique incident qui a causé la mort de 24 personnes, l'ex-petite amie du veilleur de nuit de l'Opéra risque 2 ans de prison ferme. La jeune femme est accusée de négligence après avoir jeté des vêtements sur le sol à proximité de bougies, ce qui aurait causé le départ du brasier. À Marseille, le Front National annonce ses têtes de liste ce jeudi. Stéphane Ravier va donc donner les noms de ceux qui se lanceront dans la bataille des municipales dans les différents secteurs de la ville. Le numéro 1 du mouvement Bleu Marine a donc donné rendez-vous à ses militants sur le Vieux-Port demain matin. Un piano au cœur de la gare de Nîmes. Dès demain, les voyageurs mélomanes pourront profiter de cet instrument qui sera mis à disposition au rez-de-chaussée de la gare. Et si tout un chacun pourra parcourir librement les touches de ce piano, plusieurs événements autour de l'instrument, dont plusieurs surprises, sont programmés tout au long de la semaine.